Bonjour et bienvenue les amis. Oui, je n'ai plus de voix. J'avais envie aujourd'hui de faire une petite... comme j'ai manqué à l'appel pour le 12, tirage du 12, j'ai envie de faire aujourd'hui une petite énergie pour le week-end. Ce que je ne fais jamais. Donc on va voir ce que ça donne. Je prends deux le Normand. Vous savez que j'aime bien. J'ai pas changé de tenue parce que voilà, ceux qui m'ont suivi hier, ils comprendront que j'ai plus facile de le faire directement. Voilà, je mélange mes petits Lenormand en de taille qui seraient éventuellement de belles beaux cadeaux de Noël aussi. Donc celui-ci, c'est le Healing Light Lenormand. Voilà, grande taille, j'adore les grandes tailles. Et le Golden le Normand. Voilà. Ils sont en barre d'infos. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, allez-y. C'est vraiment un beau cadeau. Voilà. Allez, on y va. Pour les énergies donc de ce dimanche. Samedi et dimanche 14 et 15 décembre 2019. Énergie pour ce week-end, cette fin de semaine. Je pense que vous m'entendez bien parce que mon micro est loin et je ne sais pas crier plus fort. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, je vais faire un petit carré de 9. Si j'ai deux mêmes cartes, je les repositionne dessus. C'est pour accentuer ce sur quoi je dois regarder. Les énergies de la carte. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes. Voilà, on y va. Je coupe. J'ai le chien et l'arbre. Alors. Et ça me parlera ici d'un ami, un amant qui travaille dans la santé, un ami malade, un ami... voilà, c'est un rapport avec la santé et avec un meilleur ami, un amant. C'est aussi la fidélité, ça me parle aussi de fidélité. Peut-être que grâce à la fidélité, il y a quelque chose qui va bien se passer pour vous. Par rapport à la santé, par exemple fidélité à un traitement, etc. Je ne sais pas. Voilà. Donc, je remélange. Sinon, c'est de la triche. Vous allez rencontrer ici, dans le cercle de vos amis, il y a des énergies qui vont vous faire rencontrer. Vous allez rencontrer quelqu'un par pas par hasard, ce sera un coup de chance. Pour moi, le hasard n'existe pas, mais vous allez, il y a quelque chose ou quelqu'un que vous allez rencontrer ou vous apercevoir. Mais comment? Ce sera vraiment un coup de chance de voir cette personne-là, là où elle est. Et il va y avoir un coup de chance non seulement de voir quelque chose ou d'apprendre quelque chose. À propos d'apprendre un secret ou de pouvoir dire un secret. En tout cas, vous allez avoir, il va y avoir de la chance pour vous ce week-end, pour nous. Donc, c'est bien, n'est-ce pas? Les nuages et la croix. De prise de tête, un peu de tristesse, un peu de chagrin. Si vous avez de la tristesse ce week-end, j'ai envie de dire avec le nuage, ça ne fait que passer. La tristesse ne fera que passer. Non, elle ne fera pas que passer pour certains. J'ai encore les nuages et les souris. Donc ici, il y a de la tristesse et des prises de tête. Pour d'autres, donc il y en a, ça va, ça,
ça ne va faire que passer. Il y en a d'autres, c'est un peu plus ancré. Voilà, il y aura un souci. Oui, un blocage. Ah. Alors, vous allez apprendre... Vous allez apprendre la trahison d'un ami. Ça va vous bloquer par rapport à quelque chose que vous vouliez entreprendre. C'est vraiment une trahison d'amour ou d'amitié profonde de la part d'un ami ou d'un amant. Je ris parce que c'est que l'amant était infidèle. Je ris pas parce que je ne voudrais pas être à votre place. Mais... Voilà. Donc, oui, j'ai l'amant, j'ai le mari. Là, c'est le renard, plutôt. Le chien, il est ici. 10 de cœur, l'amant. Le cercueil, on tourne une page. Oui, il y a eu... Il y a eu tromperie et blessure de cœur. C'était une personne rusée. Une personne rusée. Et vous allez vous accrocher à votre mari. Et à votre foyer. Il y a de la santé qui va s'améliorer et en même temps, la tristesse va s'en aller en fait. Il y a de la tristesse qui va être chassée. Vous allez vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine. On va discuter. Regardez, j'ai le bouquet, j'ai les trèfles, j'ai le bouquet, j'ai les oiseaux. Donc, avec le tas de cartes, hein, il pourrait quand même être ailleurs que se suivre comme ça. Donc, alors, il y en a qui vont arriver à destination. Oh, à destination, il y a justice. Des problèmes de justice, on va parler de problèmes de justice. Vous allez trouver aussi une solution par rapport à de l'administration. Solution par rapport à l'administration. J'ai une dame qui tient à quelque chose. Peut-être un voyage à l'étranger. Peut-être qu'il reste un petit peu à l'étranger ou assez loin de sa maison principale. Une réussite par rapport à un conflit. Une réussite, donc des énergies de réussite. Des énergies qu'on tient à quelqu'un ou à quelque chose. Oui, j'ai encore là. En effet. J'ai quand même on discute avec aussi des gens qui sont dans votre cercle d'amis, dans votre entourage. Le début d'une union, mais pour que cette union se fasse, il faudra prendre des décisions par rapport à quelque chose qui vous ennuie. D'accord ? Qui vous ennuie, c'est quelque chose qui vous ronge. Je pense que c'est plutôt par rapport à la famille. Soit un déménagement, soit par rapport à des enfants. Tout n'est pas dit. Tout n'est pas dit par rapport à des enfants. Peut-être que vous ne pouvez pas tomber enceinte. Voilà. Ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, ça concerne la maison, le domicile, votre mari, votre conjoint. Ok. On tourne une page. Ok. On va probablement prendre une décision. On a la clé de la réussite. Donc ici, vous allez prendre une décision. Ici, on a les disputes, les conflits ou le sexe. Il y a quand même une décision qui va être prise et ce sera une bonne décision pour vous. J'ai des prises de tête. Non, vous allez parfois vous sentir, pour certaines personnes, vous allez peut-être vous sentir un petit peu
dépressif, mélancolique. Oui, parce que vous êtes en manque de quelqu'un, en manque de quelque chose. Vous êtes en manque de quelqu'un qui brille pour vous. Vous avez perdu peut-être quelque chose qui brille, quelque chose qui brille, quelque chose qui a de la valeur pour vous. Soit vous avez perdu un objet, soit vous êtes un peu nostalgique par rapport à une personne. Une personne qui habiterait dans un autre pays ou loin de chez vous. Une personne qui peut-être vous a laissé pour s'isoler un petit peu. Oui, il y a une personne qui doit faire un choix. Oh, il y a une personne qui devra s'isoler pour une autre raison. Il y a une vérité, il y a quelque chose qui va être dévoilé ici. C'est quelque chose d'administratif qui va être dévoilé. On va devoir prendre une décision aussi qui va vous ennuyer. Une personne du passé qui pourrait revenir vous annoncer à une madame ou de la... c'est vous madame ou c'est votre madame. Il y a de la tristesse. D'accord. Moi je vois aussi que on va... ouais, de la tristesse, de la dépression, des tracas, des soucis, mais encore les chemins, donc on va vraiment prendre des décisions. Et ici, on a le soleil. Donc ici, on a l'abondance totale et générale. Donc, à mon avis, ce week-end va être chargé d'émotions, vraiment, de tous les domaines. Mais en tous les cas, ici, c'est le cercle d'amis, c'est le jardin. Donc, on a le cercle d'amis, les connaissances, etc., mais pas la famille. Et ici, j'ai quand même deux cartes d'argent. D'argent ou de protection. Vraiment une personne qui nous protège. Qui nous protège des ragots, etc. Par rapport à la santé, je vois aussi l'appareil digestif. Oui, l'appareil digestif. Je vois aussi le travail. Des nouvelles qui vont arriver par rapport au travail. Ça va être un blocage. Il va y avoir un blocage, une pause. Travail. Du coup, peut-être moins de rentrée d'argent, ou vous allez peut-être faire une pause par rapport au travail, parce que vous allez changer de travail, vous allez travailler à la maison. À la maison, ou plutôt, vous allez faire quelque chose d'indépendant. D'accord? Donc ça, ça va être un peu les énergies, vous allez peut-être réfléchir à tout ça. Ce week-end, voilà. On va laisser comme ça. Donc, ce sera les énergies pour cette fin de semaine. D'ailleurs, je crois que je ferai ça. Je ferai quelque chose de nouveau. On verra, si j'oublie pas. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une petite carte. Oui, aujourd'hui, je voulais aussi vous présenter les cartes magiques de NAD. Parce que ce sont des petites cartes magiques qui sont en vente aussi. J'ai mis le lien en dessous. Et qui sont vraiment beaux cadeaux de Noël aussi, si vous avez envie. Donc on va tirer une petite carte, donc je vous montre quand même ce que c'est. Ici, les projets. Et alors, voilà, les trois symboles magiques de cette carte attirent le changement, l'accomplissement et la réussite vers vous. Donc voilà, vous pouvez prendre la rune, là il y a deux runes, et le symbole magique en dessous. Voilà. Vous voyez, il y a chaque fois... ou alors, il y a des signes du zodiaque. Vous voyez? Peut-être. Et puis, voilà, ce qui est marqué, toujours la même chose derrière. Donc, ici, on a les projets, la fête, les changements. La chance. Et je vous laisserai découvrir les autres, si vous en avez envie. Donc, voilà. Cupidon, l'amour. N'oubliez pas, si vous avez un Cupidon chez vous, il faut le bouger si vous n'avez pas l'amour. Parce que Cupidon, il donne de l'amour, mais il n'en reçoit jamais. Voilà. Allez, on va choisir une petite carte de ces petites cartes de NAD. Elles sont
vraiment pas cher. Sincèrement, je ne sais plus le prix, mais je me demande si c'est même pas 10, 11 euros. C'est quelqu'un qui est du Puy du Fou, si je ne m'abuse, et qui fait ses, qui a une petite boutique de création. Allez. Aujourd'hui, nous avons la carte de l'amitié. Donc, vous voyez les symboles. Sinon, je vais vous les refaire là. Le refaire, ça va être un peu compliqué. Quoique, je vais essayer de vous les refaire comme ça. J'utilise ça comme ça, je n'use pas de papier, n'est-ce pas? Donc ici, le partage, la confiance et l'harmonie. Partage, la confiance et l'harmonie vers vous, avec ces symboles. Donc vous pouvez même tracer les symboles dans le ciel avec votre doigt. Il n'y a pas besoin de... Voilà, vous faites, si vous voulez attirer, le partage. Voilà, on partage. La confiance et l'harmonie. Vous tracez ça dans le ciel et vous recevrez tout ça. Voilà, c'est cette belle petite carte. Je trouve que c'est vraiment beau pour partager. Et puis voilà, si on est un peu déprimé ou si on a besoin d'aide, voilà. On a besoin d'énergie, d'enthousiasme, de bonnes rencontres, espoir, imagination, intuition. Donc vous pouvez aller pêcher un symbole. Un symbole. Et... Et puis vous l'écrire sur la main ou... Parfois je m'écris un truc sur la main ou quelque part. Voilà. Eh bien, on a fait ça. Est-ce qu'on va faire le oui ou le non, le normand? Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire oui ou non. Donc vous allez poser votre question. Oh non, on va faire... Oui, oui, je l'ai dit qu'on allait le faire, donc on va le faire. Vous posez votre question, question fermée, qui doit avoir réponse oui ou non. Du coup, je vais prendre quoi comme le normand? Et si c'est oui, si c'est oui qui tombe en premier, si c'est l'anneau qui tombe en premier, ce sera oui. Si c'est la croix, ce sera non. D'accord? Je vais jusqu'au bout. Normalement, on tire 13 cartes. Mais là, on a choisi avec ma communauté, n'est-ce pas, d'aller jusqu'au bout, donc jusqu'à la première carte qui tombe, qu'elle soit oui ou non. J'utilise ici le Fairy Tail Le Normand, parce que je ne l'utilise que pour ça. Malheureusement, il est tellement beau, mais comme il a les deux hommes, l'homme et la femme, dans le même sens, moi, je ne sais pas travailler avec. Les gens se tournent tout le temps le dos. Comprenez-vous? Non, c'est pas possible. Alors, posez votre question fermée. Va-t-il, vais-je gagner au loto? Il y en a qui ont des ennuis au travail. Pas des prises de tête, des ennuis. J'ai coupé, c'est oui, de toute façon, parce que j'ai l'anneau. J'ai l'anneau. Il y en a aussi qui ont des ennuis dans leur mariage. Ou, ouais, pas des prises de tête, des ennuis. Ah, mais peut-être aussi on vous a volé un bijou. Enfin, c'est oui, de toute façon, ici, pour votre... Mais peut-être qu'on vous a volé un bijou. Eh bien, si on vous a volé un bijou... Je suis fatiguée. Je peux vous dire que
Il est probablement chez vous, perdu chez vous, dans votre maison. Si vous recherchez un bijou, vraiment. Du coup, je vais regarder parce que ça m'intéresse. Moi, je pense qu'on m'a volé un bijou. Mais. Donc, il est dans votre maison. Peut-être près d'une plante, dans une plante, dans le jardin, près d'un arbre. J'ai la lune et le consultant. Il y a quelqu'un de triste par rapport à cette perte. C'est comme si madame avait perdu son alliance et que le monsieur était triste, n'était pas content. Ou l'inverse. Monsieur a perdu son alliance et il est triste. Mais vous allez la retrouver dans quelque chose, dans votre maison ou dans votre jardin. Il faut vraiment bien regarder puisqu'elle est là. Il y a peut-être même un petit temps qu'elle est là. Il y a des choix au travail. Je ne vais pas continuer comme ça, moi. Sinon, je vais continuer jusqu'à demain. Allez, c'est tout. Ah, j'aime bien, moi. Quand je suis dedans. Voilà, donc on a fait l'oui, non. On a fait tout ce qu'on nous voulait. Donc ici, ce sera les énergies du week-end, de la fin de semaine. Voilà, puisque j'ai pas fait les cartes du petit déjeuner. Ça compense. On a le cœur, oui. Les poissons. Voilà, on est heureux comme un poisson dans l'eau avec l'amour. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bisous, bisous.